Vous êtes très nombreux à nous suivre, madame, monsieur. Bonjour et merci pour vos encouragements. Tête à tête, qui reçoit en majorité les politiciens, n'est pas que politique. Et la politique n'est pas que dans les institutions. Un auteur sur ce plateau, Simon Kola, un jeune Congolais qui aborde les questions sociopolitiques et qui s'engage par l'écriture pour l'avènement d'un monde, je dirais d'une société et d'un monde plus juste. Il est sur notre plateau, auteur de nos grandes causes communes, et le voilà à travers Quête des sens, qui est son deuxième ouvrage. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Foutila. J'ai le plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être là. Le deuxième auteur sur ce plateau. Vous avez écrit Quête des sens, mais avant cela, vous avez publié Nos grandes causes communes. D'abord, quel est le bilan que vous faites de votre premier ouvrage? Merci de la question et merci de me recevoir sur votre plateau. Ce n'est pas facile de faire soi-même le bilan de son œuvre. Peut-être qu'il appartiendra à des critiques objectifs de le faire. Je peux néanmoins vous donner mon ressenti par rapport à la réception autour de ce premier livre, Nos grandes causes communes, que j'ai fait publier en 2021, donc ça fait à peine 3 ans. C'est un livre qui a été largement bien reçu par les personnes qui se sont appropriées cet essai dans le pays et à l'étranger. Je peux dire que le bilan de mon point de vue est satisfaisant, et c'est sur ce genre d'encouragement et de satisfaction que je me suis dit qu'il était important de sortir Quête des sens pour prolonger la réflexion et donner plus de matière à réfléchir et à penser à notre société, pour qu'ensemble nous puissions voir comment collectivement nous pouvons déterminer les causes communes et aller ensemble dans une quête des sens. Qu'est-ce qui avait été le plus développé? C'était plus dans quel domaine de la vie? Au fait, comme Quête des sens, Nos grandes causes communes traitent des questions sociopolitiques. Et donc c'est un regard sur la société, mais c'est un regard citoyen. Très souvent, nous avons une forme de saturation du regard des techniciens, du regard d'experts, peut-être même du regard politique. Là, je parle du politique au sein des institutions ou peut-être du politique au sein de l'opposition. Mais j'insiste sur le regard citoyen parce que c'est peut-être un regard qui n'est pas souvent mis en avant dans la publication ou dans les publications. Et donc, j'aborde les questions sociopolitiques, j'abordais dans Nos grandes causes communes et même dans Quête des sens, dans une approche très au contact de la réalité, telle que je la vis en tant que citoyen et telle que je la vois se déployer autour de moi parmi mes semblables. Vous êtes vous-même politique? Je ne sais pas si je peux dire que je suis politique, d'après la compréhension qu'on a du mot politique. Mais je pense que du moment où je m'engage au sein de la société et que j'aborde des questions d'ordre politique, l'appellation politique ne me heurte pas. Mais après, ce n'est pas à moi de me présenter comme politique quand ça pourrait être sujet à débat. Et donc, je laisse à ceux qui nous suivent ou à ceux qui m'élisent la liberté de me loger à telle ou telle enseigne. Votre réponse présage que vous êtes politique sans le savoir. On peut dire ça? Je ne sais pas si je ne sais pas que je suis politique. Je pense que je suis suffisamment en train de prendre position sur des questions politiques. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux peuvent en témoigner. Mais je ne suis pas politique au sens où je serai engagé, encarté auprès d'un parti politique. Je ne suis pas politique au sens où je serai au pouvoir pour exercer comme exercent les politiques aux affaires. Et donc, ça signifie que le mot politique se définit de plusieurs manières. Et donc, si ce que je fais se prête à une certaine pratique de la politique, on va tous le constater. Avant d'aborder ce que vous avez abordé dans votre ouvrage, dernière question d'introduction, vous êtes aussi tenté par cet activisme politique? Je ne pense pas qu'il s'agit d'activisme.
Je pense que la politique, au fond, n'est pas une tentation. La politique est une obligation OK. dans son acception citoyenne. Je pense que veiller à ce qu'on ait des routes propres, veiller à ce que nos droits soient respectés, veiller à ce que nous soyons des bons citoyens, c'est faire de la politique. Et donc, de ce point de vue, je pense que tout citoyen, tout celui qui entre en citoyenneté, est quelque part politique. Et c'est donc de ce point de vue que je pense que l'activisme n'est que une forme stéréotypée d'un certain type d'engagement, Voilà. d'autant plus que ce n'est pas une notion qui est toujours bien vue, que ce soit pour ceux qui l'exercent, que ce soit pour ceux qui regardent. Je pense qu'on devrait tous être engagés et sortir de ces mots qu'on jette comme ça, c'est un activiste, c'est pas un activiste, c'est un politique, c'est pas un politique. On devrait tous être des citoyens d'action, et en ce moment-là, on aura tous contribué à l'avancement de la société. Très bien. Quête d'essence, un titre accrochant, incitatif. Quand on le voit, comment vous les définissez d'emblée, quête d'essence? Il s'agit d'une quête, bien sûr, et donc c'est une quête d'abord personnelle, mais qui a une résonance au niveau collectif. Et donc la quête est collective, c'est une recherche, c'est une envie de découvrir un chemin, découvrir une voie, pourquoi pas des voies, parce que peut-être qu'il n'y a pas un seul chemin. En dehors du domaine de la foi, dans les domaines de la vie terrestre, il y a plusieurs chemins. Et donc la quête des sens, c'est un cri que je lance comme ça, pour que l'attention de la société, de la collectivité, se porte sur le besoin, sur l'impératif du sens. Et là, je vais expliquer pourquoi le sens. Il s'agit du sens tel que le dictionnaire nous le définit. Le sens a plusieurs significations. D'abord, vous avez le sens comme définition, le sens d'un mot. Vous avez le sens comme sentiment, comme sensation. Vous avez le sens comme orientation. Et donc, dans la quête des sens, je suis en train d'aborder ces trois étapes, ces trois étages, si on peut dire, pour qu'ensemble nous puissions être en mesure de nous définir en tant que société, en tant que Congolais, pour qu'ensemble nous puissions être capables de construire un sentir ensemble collectif, et pour qu'ensemble nous puissions être en mesure de nous orienter dans la même direction. Et donc, ce sont ces trois questions, ces trois étapes qui font l'objet de ce travail qui se décline en plus de 150 pages. Et c'est autour de ça que nous fixons les pensées, que nous fixons les idées pour que la société prenne conscience et aille un peu plus loin. Puisque vous avez remarqué que dans la société, il y avait quel vide que vous voulez combler. Je pense que dans notre société et dans toutes les sociétés, à un moment, il y a ce que quelqu'un a défini à la fois comme l'absence de direction et le vide du sens. Je pense que toute société, tout groupement humain, à un moment de sa formation, je dirais au début de sa formation, est confronté à un vide. Et alors c'est en ce moment-là qu'on détermine le sens. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons être? Où est-ce que nous voulons aller? Et donc, par rapport au vide du sens, j'ai considéré qu'il était important d'engager le débat, d'engager la définition. C'est quoi le Congo? C'est quoi le sens de la nation congolaise? Comment nous nous définissons? Est-ce que nous sommes juste les héritiers de la colonisation? Est-ce que nous sommes une nation chrétienne? Est-ce que nous sommes un État laïque? Qu'est-ce que nous sommes dans ce monde qui avance à une très grande vitesse? Qu'est-ce que nous sommes dans ce monde qui est bousculé? Et donc, ces questions me tiennent à cœur et j'aborde la nécessité de définition. Et après, il s'agit du sentiment, du sentir ensemble. Et donc, ce sentir ensemble s'est construit par rapport aux expériences communes que nous vivons. Il se construit par rapport aux symboles que nous avons dans la société, dans la nation, par rapport aux personnages que nous vénérons,
par rapport aux dates que nous commémorons et que nous célébrons. Et c'est par rapport à tout cela que la pensée se met en musique pour fixer le cadre d'un sens qu'on peut trouver. À titre d'exemple, j'aborde le fait que le Congo, depuis qu'il est Congo, depuis, je vais dire, l'indépendance, plus précisément, a eu à changer de nom plusieurs fois. Voilà. A eu à changer de drapeau plusieurs fois, a eu à changer de devise et de monnaie plusieurs fois. Mm-hmm. Je pense que dans le chapitre où je parle du symbole, je crois que cela a des conséquences majeures sur l'être congolais, sur l'âme congolaise. Et donc, mon idée, en quelques mots, c'est de travailler sur la question du sentir ensemble, sur la question des symboles, sur la question des mythes, sur la question du récit national. Et c'est cela qui va permettre de trouver une sensibilité congolaise commune. Parce que je parle aussi de cette sensibilité par rapport à la géographie. Il a été dit une fois par quelqu'un de très haut placé dans ce pays, dont je ne citerai pas le nom, en présence des investisseurs dans un pays étranger, il a été dit « La guerre, ce n'est pas à Kinshasa, c'est très loin de la capitale. » Vous voyez que de ce point de vue, la géographie module l'essence. Mm-hmm. Et donc la personne qui considère qu'elle a 2000 km du foyer des tensions estime qu'elle a une expérience sensible, sensorielle, différente. Mais ça pose problème, parce que la sensibilité devrait être commune. Il faudrait qu'à un moment donné, que le Congolais qui meurt dans le village le plus lointain touche la personne qui est à 2000 km, parce que c'est un pays continent. Et donc, il y a dans le livre un point sur la géographie, un point sur toutes ces questions, que nous ne serons pas, bien sûr, à aborder de long en large dans le format de cette émission, mais ce sont là des éléments qui sont développés. Alors, là, vous avez posé les problèmes, vous avez aussi, de manière générale, à vous attendre parler, non seulement poser les problèmes, mais vous êtes arrivé aussi à proposer des solutions. Par exemple, lorsque vous dites, sur le plan, par exemple, de l'historique, le Congo a changé de nom à plusieurs reprises, des monnaies et des devises. Oui, mais après, qu'est-ce que vous avez préconisé? Je préconise... C'est aussi développé dans l'ouvrage. C'est aussi développé. Mm-hmm. Je constate d'abord, c'est le bilan, qu'on a procédé sur le mode des ruptures. Mm-hmm. Mais c'était des ruptures accidentelles. Il faut par ailleurs qu'on aille maintenant sur des ruptures salutaires. Il faudrait qu'au niveau des élites, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais je suis obligé de l'employer, okay. Il faudrait qu'au niveau des élites politiques et intellectuelles, il y ait une forme de consensus, une forme de volonté assumée à construire le récit national congolais. Il faudrait qu'il y ait des occasions où on décide de ce qui est commun, de ce qui est foncier à chaque Congolais et à chaque Congolaise. Et c'est pour cette raison que j'aborde la question du changement des narratifs, pas dans sa déclinaison purement politique, l'instant d'une conférence de presse ou d'une campagne médiatique sur les réseaux sociaux, mais un changement de narratif qui met en musique, qui met ensemble tous les éléments de la richesse congolaise, tous les éléments des intelligences congolaises pour qu'ensemble on construise un récit national. Ce récit national, on peut le voir dans toutes les grandes nations. On le voit en Russie, on le voit aux États-Unis d'Amérique, on le voit en France, on le voit en Chine, on le voit en Turquie, et il faut qu'on le voit aussi en RDC. Et donc, ça demande que le politique et le citoyen qui s'engage décident de reconnaître que d'abord, il y a ce vide-là, ce vide de définition, ce manque de sensibilité et ce manque de direction. Et dès le moment où on sera d'accord sur ce diagnostic, on pourra aller de l'avant. Parlant du sens dans sa dernière déclinaison, qui est celui de la direction. Évidemment, ça ne peut pas être une direction physique. Nous sommes tous fixés sur un territoire, sur le Congo, dans toute sa grandeur. On ne va pas se diriger vers un lieu parce que nous sommes dans un pays. Ce n'est pas un exode, mais c'est un mouvement dans une direction. Et la direction, c'est la direction de la ligne du temps. La direction du progrès. Parce que dans le chapitre où je parle du sens comme direction, je parle bien sûr de ce mouvement
qui doit être déclenchée, qui doit être commencée et qui doit se mener vers l'avant. Et cet avant, c'est un avant symbolique sur la ligne du temps. Laquelle ligne du temps est un outil de représentation qui évoque le progrès. Alors, qu'en est-il du sens comme direction, puisque vous venez de le dire, on est tous fixés dans un territoire. Comment vous l'avez développé? Exactement, le sens comme direction fait allusion à ce mouvement, mais c'est un mouvement symbolique, si je peux dire. Mm-hmm. On est tous fixés sur un territoire qui s'appelle le Congo, et donc on ne va pas envisager un exode pour aller occuper je ne sais quel territoire. On est content de notre terre, de notre pays, et on va envisager le sens comme direction, mais une direction symbolique, une direction que moi j'inscris sur la ligne du temps. Pourquoi sur la ligne du temps? Parce que j'ai constaté que l'expérience du temps dans notre société est encore une expérience du temps primitif. Mm-hmm. Le temps primitif parce que le temps circulaire, c'est le temps des saisons, c'est le temps des alternances du jour et la nuit, c'est le temps des moments qui viennent, qui se succèdent et qui se ressemblent. Vous conviendrez avec moi que l'expérience collective du temps dans ce pays, c'est d'une élection à une autre, d'une saison de pluie à une autre, d'une rentrée scolaire à une autre. Et la preuve, c'est que d'un moment à l'autre, rien n'échange. D'une saison de pluie à une autre, il y a inondation. D'une rentrée scolaire à une autre, il y a embouteillage. C'est parce que nous sommes dans cette vue du temps qui est circulaire et primitive. Alors, je recommande dans ce livre de sortir de l'ivresse du cercle pour passer à la fermeté de la ligne. De sortir du temps circulaire qui finit par être enivrant, qui finit par être un entraînement fatal pour marcher sur la ligne du temps d'un pas ferme. Et la ligne du temps, c'est un outil symbolique, une représentation imagée comme ça, qui, au fait, raconte l'histoire du progrès. C'est le fait d'aller de l'avant. Et donc, les Congolaises et les Congolais doivent s'inscrire, à mon sens. Et je ne pense pas, je pense ne pas être le seul à avoir cette opinion. Les Congolais doivent s'inscrire sur la marche du progrès. Donc, sortir et marcher d'un pas ferme sur la ligne du temps. Pendant qu'on sait qu'une société est toujours rotative, vous avez l'impression que nous sommes en train de tourner autour d'un même calendrier. Ce ne sont que les années qui changent. Comment on peut aller au-delà de tout ça? On peut aller au-delà de tout ça en ayant d'autres objectifs, en créant d'autres temporalités. Parce que le temps, ça n'est pas tellement le fait qu'il y a un jour et puis une nuit. Mm-hmm. Le temps, c'est aussi les représentations qu'on s'en fait. Aujourd'hui, quand aux États-Unis, on vous fait une planification sur les 30 prochaines années en termes d'infrastructures, en termes de technologies, on ne voit pas le prochain hiver, on ne voit pas la prochaine saison. On est en train de voir beaucoup plus loin. Aujourd'hui, quand en Chine, on vous dit ce que la Chine sera en 2050, en 2080, vous voyez que c'est des gens qui sont dans une projection linéaire. Après, sur le parcours, il peut y avoir des obstacles, des allers-retours, des retards et des embûches. Au moins, la force vitale de ce peuple se déploie dans cette lancée qui va loin. Et c'est ça la différence avec les peuples qui n'ont pas encore réussi à se projeter vers l'avant. Et c'est ce que je relève là-dedans. Alors, parlons du sens comme ressenti. Mm-hmm. Et vous avez publié cet ouvrage en 2023, ce qui vous a 24. Permis... 24, pardon. Yeah. Ce qui vous a permis d'aborder des questions d'actualité. Mm-hmm. Nous avons l'impression que nous sommes dans une société où vous avez, d'une part, des Congolais qui suivent l'agression rwandaise comme si ça s'est passé dans un autre pays, alors que c'est sur le sol congolais. Yeah. Comment vous avez-vous, à votre niveau, proposé les choses pour que nous ayons ces mêmes ressentis-là? Qu'on sente vraiment que, et les Congolais de Kinshasa et de Kasumbalesa, tous sont concernés par ces mêmes ressentis de l'agression rwandaise. Je pense que c'est d'abord au niveau du discours que tout cela se joue. Et puis au niveau des postures. En termes de discours, évidemment, il y a eu de plus en plus une mise en avant du discours nationaliste. C'est un mot qui heurte, je veux dire, du discours patriotique pour dénoncer l'agression rwandaise. Donc en haut lieu, on a pu entendre le Congo parler d'une voix ferme pour évidemment dénoncer cela. Et donc les Congolais qui sont sensibles
à tout cela, ils sont conscients qu'il y a un problème et que cela est dénoncé. Mais ça ne suffit pas, il faut que les postures suivent. Je vous ai dit qu'il y a quand même eu dans ce pays une personne placée au niveau élevé du pouvoir qui a dit devant des investisseurs que la guerre c'était à 2000 km. Mm-hmm. Donc ça pose problème, ça veut dire qu'en dépit des efforts qui sont conjugués pour faire prendre conscience, il y a des poches d'insensibilité qui se constatent ici et là. Et donc le politique doit construire des passerelles, le politique doit construire des lieux, des mémoires, le politique doit construire des référents symboliques pour que les gens aient une sensibilité commune. Il faut qu'à un moment donné, les dirigeants de ce pays décident de construire un mémorial. Il y a eu beaucoup de morts. Mm-hmm. On parle des morts de Léopold II, mais pas que. On parle des morts de la guerre qui dure depuis près de 30 ans maintenant. On parle de nombreuses victimes. Il faut à un moment donné qu'il y ait un lieu de mémoire, qu'il y en ait un dans la capitale, qu'il y en ait un dans chaque province ou dans chaque chef-lieu de province, qu'il y ait une date pour que les gens commémorent ce qui s'est passé et qu'ils se disent que ça ne va plus arriver. C'est ce qu'on fait. Au lieu de continuer à attendre la reconnaissance internationale. La reconnaissance internationale, c'est juste, on en a besoin parce que nous sommes dans la communauté des nations. Le droit international, bien que vilipendé, existe, les Nations Unies existent. Alors, la reconnaissance internationale a sa part, mais nous-mêmes, nous n'allons pas attendre que l'ONU et les instances au niveau international fassent des choses que nous, on ne fait pas. Rien ne nous empêche d'avoir un mémorial. Vous avez des pays que vous visitez, vous n'en sortez pas tant que vous n'avez pas visité le mémorial. C'est-à-dire que si vous y allez pour des événements politiques, tout tranquillement, on vous montre que dans le programme, après votre arrivée, vous passerez vous recueillir à tel endroit, à tel autre endroit. Les Juifs ont Yad Vashem pour la Shoah, pour ne citer que cela. Je peux ajouter quand même, les États-Unis ont un grand mémorial pour le 11 septembre. Et les noms des milliers de victimes sont inscrits. Ouais, symboliquement, à quoi ça renvoie? Il y a un lieu. Il y a un lieu de recueillement. Il y a quelque chose qui est construit. Qu'est-ce qui empêche de construire quelque chose comme ça? Dans cette ville, ce n'est pas l'espace qui manque. Exactement. Ce n'est pas l'espace qui manque. Et donc, il faut construire des références symboliques. Il faut construire un discours. Le discours est en train de prendre forme. Il a manqué au pays pendant très longtemps. Et maintenant, au lieu, le discours est en train de prendre forme. Il faut qu'il prenne forme davantage. Mais il faut aussi que ce discours que porte le chef de l'État soit entouré d'un travail d'historien, un travail d'expert, pour que ça soit même inscrit dans les programmes scolaires. Très bien. Il faut que dans nos écoles, nos petits frères, nos petites sœurs, nos neveux, nos enfants apprennent ce qui se passe, pour qu'ils grandissent avec la conscience de ce qui a pu se passer et pour qu'ils veillent à ce que ça ne se passe plus dans 10, 20, 30 ans. Et donc c'est par rapport à tout cela qu'il faut construire le ressenti, c'est par rapport à tout cela qu'on va tous maintenant mettre le doigt sur une sensibilité commune. Et on en a grandement besoin en tant que nation. Alors, cause commune, quête des sens, ça va, tous les deux ouvrages vont dans le sens de définir une vision commune, l'unanimité malgré nos diversités. Et que faire face peut-être à la diversité religieuse, puisque le Congo c'est un pays laïque. Que faire face à la diversité, par exemple, la diversité des religions? La diversité des religions est une bonne chose dans la mesure où ce pays consacre la liberté de conscience. Donc la loi prévoit la liberté de culte, liberté de conscience, liberté d'association. Mmh. Et le pays, en tant qu'État laïque, doit seulement veiller à rester neutre par rapport à tout cela. Mmh. Et donc le pays ne devrait pas se sentir plus proche du catholicisme, l'État ne devrait pas se sentir plus proche du catholicisme qu'il ne l'est du kimbanguisme ou des témoins des Jéhovah. Et c'est pourquoi la laïcité est un point important, surtout en ce moment où il y a des confessions religieuses qui se targuent d'avoir des missions prophétiques très mal définies d'ailleurs. Il est important que l'État soit le point où tous ces particularismes s'arrêtent et reconnaissent la suprématie de l'idéal républicain sur les particularismes confessionnels. Dernière question peut-être, comment vous faites lorsque vous savez que vous avez consacré votre vie à ne faire qu'écrire
mais dans une société réputée non lectrice. Oui, je sais qu'il y a un stéréotype têtu, les Congolais ne lisent pas, j'entends ça un peu. Les Congolais ne lisent pas. Je relativise un peu. Mm-hmm. Le verre est peut-être à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Je pense que les Congolais qui nous suivent peuvent témoigner qu'ils connaissent au moins une personne dans leur entourage qui lit. Quand je circule en ville, je vois des marchands de livres qui n'ont jamais fermé boutique, qui le font pour certains depuis 10-20 ans. Donc, je relativise. C'est vrai que les gens ne lisent pas beaucoup. Et ce n'est pas qu'un problème congolais. Hein. Mm-hmm. Toute proportion gardée, l'invasion de réseaux sociaux fait que même dans les sociétés plus éduquées, si on peut ainsi le dire. Mais pas un même niveau de pourcentage. C'est pourquoi j'ai dit toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'il y a toujours la tentation d'aller consommer l'instantané, TikTok, et ainsi de suite. Voilà. Dans le même temps, nous essayons de créer cette envie de lire. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous écrivons parce qu'il y a un besoin de transmission et parce qu'il y a un impératif de conservation. Vous voyez? Et donc, si nous transmettons ce que nous pensons, c'est pour que les gens les lisent. Et donc, nous nous engageons aussi, non pas seulement à écrire, mais à aller au plus près des gens, à aller vers les étudiants, à aller vers les jeunes, à aller vers les vieux, à aller vers les uns et les autres, pour créer cette soif, pour créer ce désir, parce que l'écriture et la lecture sont très nécessaires pour la vie individuelle et pour la société. Très bien, merci beaucoup, Siméon Kola. C'est moi qui vous remercie. Et s'il faut retrouver cet ouvrage, avez-vous une adresse précise des plateformes digitales où on peut les télécharger? Le livre est disponible à la librairie de Rotana et nous avons commencé les déploiements en province et très bientôt nous allons le rendre disponible sur les plateformes numériques. Mais je signale que c'est en vogue sur Twitter. En tout cas, je suis dans un réseau où lorsque tu passes, tu ne vois que quête d'essence. Félicitations pour cette œuvre qui restera gravée dans les annales, ou retenue dans les annales de l'histoire de la RDC. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, c'était également un grand plaisir de présenter pour vous cette émission. Comprenez que pour les émissions techniques, comme la présentation des ouvrages, c'est plus l'invité ou l'auteur qui parle. Les journées, c'est là simplement pour orienter la réflexion. Ça ne me reste qu'à vous souhaiter paix, joie dans vos familles. Merci beaucoup. Merci. Alors, thank you.